souyane maye ma toto patako lo bubo ayao eliye la gone ma wa ma toto patako lo bubo ayao lo mo ayao lo bubo ayao. Dieu, élevé dans la gloire de Dieu. Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. J'invoque la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est invoquée sur toi maintenant. Je commande aux esprits, j'ordonne aux esprits, je commande aux esprits de lâcher ta vie. Je commande aux esprits de lâcher ta vie. Les démons vous lâchent. Vous lâchez cette sœur. Vous m'attendez? Et maintenant, lâchez son voyage. Allez, vous libérez son voyage. Attachez-la très bien. Vous libérez son voyage. Une femme pour nous aider. Merci. Non, mais ne soyez pas distrait. La puissance de Dieu se manifeste maintenant. Je commande aux esprits de vous lâcher. Je commande aux esprits de vous lâcher maintenant. Que les démons vous lâchent. Vous la libérez. Vous lâchez sa vie. Vous laissez sa vie. Vous lâchez sa vie. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Vous m'attendez? Vous quittez maintenant. Relâchez-la. C'est un ordre. Et maintenant même, pars et quitte sa vie. Lâche-la. 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 Allez. Commande.
Come on! Come on! Come on! Come on! Allez, va-t'en! 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 Va! Va-t'en! 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 C'est un ordre, tu m'attends? Tu m'attends? Va! 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 Allez-y! Allez-y maintenant! Partez et maintenant! Libérez-la! Vous allez me libérer son corps, vous allez me libérer sa vie, la puissance de Dieu la libère maintenant, la puissance de Jésus la libère maintenant, feu sur toi, feu, 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 allez, 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 lâchez-la, lâchez-la, vous êtes logé dans son bassex, dans son ventre. Et je vous commande de la libérer. Je vous commande de la libérer. Je vous commande de la libérer. Et maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ, lâchez-la. Lâchez-la. Pendant que vos mains aussi sont levées, la puissance de Dieu vous touche là. La puissance. La puissance de Dieu vous délivre. La puissance de Jésus te délivre maintenant. La gloire de Dieu te touche. Et la force de Dieu, la puissance de Dieu vous débarrasse des démons. Je commande aux esprits des ténèbres, je commande aux esprits méchants de vous libérer, de libérer votre destinée, de vous libérer et maintenant, par la puissance qui est dans le sang de l'agneau, par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Oui, tu lâches ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu vous libère maintenant. Je commande aux esprits, attention, attention. Je commande aux esprits, allez, 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 lâchez-la, lâchez sa vie, lâchez-la, allez, 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 lâchez-la, lâchez sa vie, lâchez-la, maintenant même. Come on! Come on! Allez, feu sur toi, feu, nom de Jésus, feu, allez, libérez cela, libérez-la, allez, libérez-la, libérez-la, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, lâchez sa vie. Nom de Jésus. Feu. Allez. Moi. Oui. Jamais. Lâche-la. Moi. Lâche-la. Jamais. Et pourquoi? Pourquoi? Tu vas me lâcher sa moi, vie. Moi, jamais. Pourquoi? Jamais. Et pourquoi? Depuis quand tu es dans ce corps? Depuis quand tu es entré dans cette vie? Oh. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand tu es entré dans sa vie? Ah, c'est une lumière, celle-là. Réponds ma question. Depuis quand tu es rentré dans sa vie? C'est depuis quand tu es rentré dans sa vie? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Et pourquoi? Elle m'appartient. Elle t'appartient. Elle m'appartient. Je ne veux pas qu'elle devienne quelque chose. Je ne veux pas le donner. Oh, elle se bat, mais je fonce. Elle se bat, mais je fonce. Oh, elle est riche, je ne veux pas.
appartient à Jésus. Je l'ouvre. Ton âme appartient à Jésus. Je l'arrache. Ton âme appartient à Jésus. Ah, ton âme appartient à Jésus. Elle me fait du cinéma. Je ne veux pas. Elle me fait du cinéma. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle devienne quelqu'un d'autre. Je veux qu'elle soit ton mari. Oh, je ne veux pas qu'elle devienne quelqu'un d'autre. C'est moi qui lui arrache les rôles qu'on lui propose. C'est moi qui lui arrache les rôles qu'on lui propose. Elle veut faire une illusion. Lâcher au nom de Jésus. Cette vie appartient à Jésus. Elle a décidé d'appartenir à Jésus. Oh non. Tu vas la lâcher. Oh non. Oui. Oh non. Tu vas la lâcher. J'ai tout fait ses rôles. J'ai tout fait ses rôles. Elle ne veut pas tout ça. Elle ne veut pas tout ça. Elle avait tout fait. J'ai tout étouffé. J'ai tout étouffé. J'ai tout étouffé. Ton âme appartient à Jésus. Ton âme appartient à Jésus. Oui. Je t'arrache ton âme. Oh non. Je t'arrache ton âme. Oh non. Je t'arrache ton âme. Oh non. Je t'arrache ton âme. Oh. Oui. Je fais l'amour avec elle. C'est moi qui chasse Marie. Elle me fait que c'est moi qui ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je veux qu'elle soit seule. Qu'elle me fasse. Ne me faites pas ça. Je veux qu'elle soit moi jamais. Maintenant son âme appartient à Jésus. Je veux qu'elle soit moi jamais. Mais regarde comment, regarde comment tu l'as rendue. Regarde comment tu l'as rendue. Tu l'as rendue malheureuse. Tu l'as rendue malheureuse. Elle a désormais un nouveau maître. Oh. Et son nouveau maître c'est Jésus. C'est moi qui ai volé ma femme. Je suis en train de me faire. Je t'en ai voulu ta voiture! La deuxième voiture! La deuxième voiture là! Je t'en ai voulu! Elle l'a perçue! C'est moi qui ai fait que! Au lieu de récupérer! Les trois bébés, c'est moi! Oh non! Je veux qu'elle soit là! Sans rien! Là! Sans rien! Là! Sans rien! Je suis né, né, ça irait prospère! Né, né, ça irait prospère! Oh, c'est ma fille, mais je fais l'amour avec elle. Mm-hmm. Elle est trop belle. Mm-hmm. Elle est trop belle. Mm-hmm. Je ne veux pas qu'elle appartienne à quelqu'un. Elle est faite pour moi. Je peux connaître ton nom? Elle est faite pour moi. Je peux connaître ton nom? Elle est faite pour moi. Quel est ton nom? Ah. Ah. Quel est ton nom? Moi? Oui. Moi, mon nom? Oui. Je suis Nenye Saïre Prospère. Nenye Saïre Prospère. Ah, je suis Nenye Saïre Prospère. Oui. C'est moi qui ai fait que je suis terre. Et c'est depuis l'âge de 3 ans. On est mariés depuis l'âge de 3 ans. Depuis l'âge de 3 ans. Oh, depuis l'âge de 3 ans. Je suis dans sa vie. Je suis dans sa vie. Elle veut faire du cinéma. On va la voir sous la lumière. Elle veut sur les tapis rouges. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je te commande de la lâcher. Je ne veux pas. Je te commande de la lâcher. Je ne veux pas. Lâche-la. Je ne veux pas. Lâche-la. Je ne veux pas qu'elle soit devant du monde. Je ne veux pas qu'on la voit. Qu'elle soit malheureuse toute sa vie. Qu'elle soit malheureuse toute sa vie. Qu'elle soit malheureuse toute sa vie. C'est moi qui ai compris dans sa vie. C'est une lumière. Je ne veux pas. Je veux qu'elle soit dans le noir. Toute sa vie dans le noir. Toute sa vie dans le noir. Toute sa vie dans le noir. C'est moi qui garde tout. 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 Et pourquoi? Tout. Et pourquoi? Tout. Et pourquoi? Tout. Tu l'as fait souffrir pourquoi? Tout. Tu l'as fait souffrir pourquoi? Eh bien parce que je l'aime. Non, on ne fait pas souffrir personne qu'on aime. Parce que je l'aime. On ne fait pas souffrir personne qu'on aime. Je ne veux pas qu'on la voie. Ah, d'accord. Et mes deux qui me fait du cinéma. Tout à la cause de mon épouse.
maintenant même. C'est pourquoi je l'ai. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je l'ai. Je te commande. C'est le pouvoir de Dieu. Lâche-la maintenant. Quitte sa vie. 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 Tu vas la libérer maintenant. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte. 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 Quitte sa vie. Quitte sa vie. Fais sur toi. Fais sur toi. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Libérez-la. 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 Quitte sa vie. Quitte sa vie. Je te commande de la lâcher. Lâche-la. Lâche ta vie. Lâche ta vie. Libère-la. 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 Vous me faites du mal. Libère-la. Vous me faites du mal. Libère-la. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Ta vie. Oh Seigneur, t'es cool. Lâche-la. Tu vas la lâcher. Libère-la. Oh, je ne veux pas. Libère-la. Je ne veux pas qu'elle ait un mari. Je ne veux pas. C'est une femme qui pleure. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle soit épousée. Je veux qu'elle soit. Je ne veux pas qu'elle ait un mari. C'est une femme qui pleure. Je ne veux pas de pleurs dans ma vie. Je ne veux pas la voir avec des blancs. Oui, elle est trop riche. Elle veut qu'elle soit pauvre toute sa vie. Qu'elle soit pauvre toute sa vie. Moi, ne le sais prospère. C'est ma femme. C'est ma femme. Oh, maintenant, quitte sa vie. Je prononce le divorce. Dieu. Au nom de oh, Jésus. Oh, je suis fatigué. Oui, je prononce. Je vais partir. Va-t'en. Oh. Va-t'en. Va-t'en. Oh. Va-t'en. Oh, mais va-t'en. Pourquoi vous faites ça? Oui. Pourquoi? Parce que tu l'as trop maltraité. Pourquoi vous faites ça? Ayez pitié de moi. Son nouveau maître, c'est Jésus. Laissez-la en moi. Laissez-la en moi. Quitte sa vie. Oh mon Dieu. Quitte sa vie. Je vais descendre. Quitte sa vie. Oui, Jésus. Quitte. Oh Jésus. Quitte. Jésus. Va. Va. Lâche-la. 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 Lâche son mariage. Lâche son mariage. Lâche toute sa destinée. Au nom de Jésus. Libère-la. 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 Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. La puissance de Dieu libère toute ta carrière professionnelle. La puissance de Dieu te libère. Je libère tes finances. Je libère ta carrière professionnelle. Je libère ton mariage, au nom de Jésus-Christ, je libère même ta maison, toutes tes affaires, par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je proclame ce matin ta délivrance, par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que les démons lâchent totalement, et cet esprit, ce sorcier, lâche à jamais ta vie, que ta vie soit totalement libérée, que tu ne contrôles plus jamais ta vie. Ta vie ne sera plus sous contrôle satanique et démoniaque. Ta vie est libérée au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'arrache ton âme. Non. Nom de Jésus. Amen. Reclame ta délivrance. Non. Reclame ta délivrance. Non. Maintenant même. Au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a appelé à dominer. Dieu t'a appelé à prospérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même. Maintenant même. Je fais tomber les murs. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Je te libère maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je détends l'homme de ta vie. Prospère. Plus jamais tu touches à sa vie. Ne touche plus à sa carrière professionnelle. Ne touche plus à son mariage. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Elle fait du théâtre, elle est en train de faire du cinéma. Et tout est bloqué, elle vient de France. Elle est venue spécialement pour sa délivrance ici. Elle a quitté la Réfoile après un jour à Abidjan. Elle est venue spécialement pour sa délivrance. Et vous voyez que c'est un esprit qui était dans sa vie. Cet esprit-là qui faisait que tout était bloqué, effectivement. Elle en France, rien ne va, rien ne marche. Et l'esprit a parlé. Vous dites, c'est l'esprit qui bloquait tout. Nous acclamons le Seigneur pour sa délivrance. Je vous acclame. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth?
Amen. Il est bien. Viens, toi, viens. D'abord, viens. Attends, j'ai fini pour finir, pasteur. Je viens d'expliquer là. Assoyez-vous. Vous pouvez être là, et puis, dans votre vie, il y a un démon. Il y a un esprit. Il y a un sorcier qui vous contrôle. Vous bougez quelque part, tout est fermé. Vous lâchez sa vie. Vous lâchez sa vie. Vous lâchez sa vie. Lâchez-la. Allez. Allez. Lâchez-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez-la. Si, tu vas la lâcher. Si. 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 Si, tu vas la laisser. Si. Non. Et pourquoi? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Non. Et pourquoi? Non. Et pourquoi? Non. Et pourquoi? Non. Quel est ton nom? Non. Maman non. Oui. Maman non. Si. Maman non. Quel est ton nom? Maman non. Oui. Jamais. Tu vas dire ton nom. Jamais. Tu vas dire ton nom. Jamais. 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 Depuis quand tu es dans ce corps? Jamais. Jamais. Depuis quand tu es dans ce corps? Depuis quand tu es dans ta vie? Depuis quand? Ça fait combien de temps tu es dans sa vie? Ça fait combien de temps tu es dans sa vie? Combien de temps? Combien de temps tu es dans sa vie? Depuis quand tu es dans sa vie? 5 ans. 5 ans. Oui. Et comment tu es entré? Tu es rentré comment dans sa vie? Le papa, je viens. Tu peux la manger. Je lui ai donné. Elle a mangé. Elle a mangé. Oui. C'est depuis ça? Oui. Qu'elle est devenue sorcière? Oui. Ok. Oui. Tu l'as donné la sorcellerie? Oui. Tu l'as donné la sorcellerie? Oui. Et quels sont les dégâts qu'elle a causés? Tu as fait quoi dans sa vie? Tu as fait quoi? Tu as gâché quoi dans sa vie? Ça a gâché quoi dans sa vie? Un peu plus fréquenté. Tu as détruit ses études? Oui. Et tu as gâché quoi encore? Tu as gâché quoi encore? Elle faisait un salon de coiffure. Tu as tout gâché. Vous voyez, vous pensez que c'est fait exprès. On amène la jeune fille, elle n'arrive pas. Elle fait bouge là. Non, c'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit. Et tu rentres là, tu te retrouves seul, tu ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai tout ça, ça ne marche pas. C'est l'esprit qui ne veut pas te faire avancer. Et tant que tu n'es pas délivré de ce démon, il sera difficile pour toi d'avoir accès au succès. C'est ça que la délivrance, ça s'impose à nous. Ce n'est pas une question d'aller à l'église. C'est une question d'est-ce que je suis délivré. Je suis à l'église, j'accepte Jésus, mais est-ce que je suis délivré? Sinon, on vient avec les démons à l'église. Mais si on n'est pas délivré d'un esprit, c'est problème. On peut être même à l'église et peut être possédé toute sa vie. Parce qu'on est béni, qu'on touche quelque chose, ça prospère. Tu as gâché quoi encore? La coiffure? Tu as gâché quoi encore? Il y a deux temps. Dans la famille, il y a tout mélangé. Quoi? Ses frères ne peuvent plus partir à l'école. Tu as gâché la vie de ses frères? Oui. Tu peux me donner le nom des gens que tu as gâchés? Jean-Claude. Jean-Claude, oui. Jean-Marc. Jean-Marc. Vous êtes là comme ça, et puis un jour, tout descend quoi. Bah! Ta société descend. Tout est mélangé. Tu ne comprends plus rien. Tu ne sais plus où mettre la tête. Le sorcier t'a ciblé, t'a déjà gâché. Et d'autres disent non, ça va aller. Et puis rien, tu ne vois rien à l'horizon. Rien. La sorcellerie. Comprenez? L'esprit en train de se manifester pour dire l'avenir de ses frères. De toute façon, la vie de ses frères sont bizarres. Là. Cet esprit est à la base de ça. Et tant qu'il n'est pas chassé, il sera difficile que ses frères même aient accès à des grâces. Tu as gâté la vie de qui encore? Deux. Il y a un Il s'appelle Michael. Michael, oui. Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de Michael? Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas travailler. Oui. Il y a l'autre, Abri Boré. Abri Boré. Oui. Comment il s'appelle? Brice. Tu as gâté sa vie. Oui. Il ne peut pas travailler. Oui. Tout s'est mélangé. Quels sont ceux que vous avez tués? Personne. Et vous avez tout mélangé? Oui. Quels sont ceux que vous avez programmés? Quels sont ceux que vous avez programmés? Son enfant. Son enfant. Oui. Vous allez tuer? Oui. Tu ne vas pas accoucher? Oui. Elle-même aussi va mourir? Non. C'est l'enfant qui va mourir? Oui. Ok.
Qu'est-ce que vous avez fait encore? J'ai eu un job. Mon papa. Ton propre. Ton papa. Ton papa. Ton papa. Il a fait quoi? Il a tout mélangé. T'as mélangé quoi? Il va travailler, il va gagner l'homme. Tout sera de toi. Ça dit, il va jamais reçu. Oui. Tu as fait quoi encore? Parce que mon père est gentil dans le village. Mon papa est gentil au village. Oui. Donc vous avez gâté. Maintenant pas. Faut partir. Non. Si. Va-t'en. Si. Il y avait son enfant. Son enfant. Non, puisque tu es dangereux. Maintenant, on a l'affaire à Jésus. Son enfant. Ne touche pas là. Je veux son enfant. Tu ne touches pas. Je dis, je veux son enfant. Non, cet enfant ne t'appartient pas. Je veux son enfant. Son enfant, je veux. Je veux. Non. Parlez. Non. Deux sur toi. Sa vie, pars avec l'échec, pars avec la pauvreté, lâche la grossesse, lâche toute sa destinée, va-t'en dans la mer, je te projette dans la mer, je te chasse maintenant, tu pars dans la mer, et maintenant, tu pars, feu sur toi, va-t'en, sors d'elle, sors, c'est un ordre, va, voilà, va-t'en, tu quittes ce corps maintenant. Voilà, tu quittes ce corps maintenant. Tu quittes ce corps et maintenant. Tu quittes ce corps maintenant dans le nom de Jésus. Va-t'en. Pars. Et maintenant, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ te détruit maintenant. Quitte sa vie. Pars. Va-t'en. Voilà, va. Donc on est parti. L'esprit en train de partir. Va-t'en. Voilà, va-t'en. Va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va. Va. Et à jamais quitte sa vie. La puissance de Jésus se manifeste maintenant dans sa vie. Merci Jésus pour la délivrance. Pour la délivrance de cette sœur. Merci Jésus. Oh, je suis ici. C'est moi ou je suis ici? Merci Jésus. Venez avec elle, c'est ce que ça veut dire. Merci Jésus pour la grâce. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Merci de libérer. Merci. Démon, quitte à jamais sa vie. Tu la lâches maintenant. Voilà, va-t'en. Va. Pars. Au nom de Jésus. Quitte à jamais sa vie. Il semble la sorcellerie. Tu quittes à jamais sa vie. Tu libères à jamais sa vie. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur. La puissance. Alléluia. Alléluia. Merci pour la grâce. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est parti. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Voilà, tu ne comprends plus rien. Ta carrière prend un coup. Tu es artiste, ça prend un coup. Tu ne comprends plus rien. Il y a un esprit qui est venu dans ta vie. On peut même aller causer quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui, même les mystiques, tu avais les cas de visite là.
Tu peux être en contact avec un mystique, même tout dans ta carte de vie, c'est introduit dans ta vie. J'ai un point de contact. Et tu ne comprends plus rien. C'est pour ça que tout ce que vous devez faire, vous devez sentir, c'est ça le sang de Jésus. Amen. Si vous voyez les choses bizarres qui vous arrivent, cherchez à faire délivrance. Parce qu'en principe, l'homme doit aller de prospérité en prospérité. Quand ça ne va plus, va au garage. C'est comme une voiture. Quand c'est en panne, va au garage. Venez dans les centres de délivrance pour vous faire délivrer. Viens, ma soeur, viens. Je sens que tes mains sont liées. Que ton voyage est bloqué, tout ça. Lève tes deux mains seulement. Je libère ta vie. Je libère ton voyage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pour libérer totalement sa vie. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus, sœur, te délivre maintenant. Jésus, notre Dieu, te délivre maintenant. Jésus-Christ, notre Dieu, te délivre maintenant. Tu m'entends? Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Tu m'entends? Puissance des ténèbres. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche la vie de cette sœur. Lâche sa vie. Tu vas lâcher sa vie, c'est un ordre. Et tu vas libérer son voyage. Tu vas lâcher sa destinée. Voilà, lâche sa destinée. Tu es là, patron. Manifeste-toi et va. Tu viens de la forêt. 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 Oui, tu viens de la forêt. Manifeste-toi et va. Manifeste-toi et va. Manifeste-toi et va. Manifeste-toi et va. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Tu viens de la forêt. Laisse-la. Laisse-la. Laisse sa vie. Laisse sa vie. Laisse sa vie. Laisse sa vie. Tu vas la libérer au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas lâcher sa vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est un ordre. C'est un ordre. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Tu es là. Quitte sa vie. Oui. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Toi qui habites ce corps. Quel est ton nom? Les gens sont, ils ont des démons maintenant. Chérie. Un démon t'entend m'embrasser. Je souffre, oh Dieu. Aide-nous, aide pitié. Pour nous aider. Chérie, t'es un démon. T'as eu tous les problèmes. Il prend, il change ça. Alors, on va vous vendre. Moins cher, 5 francs. C'est pas cher. Prends chance là. Quitte sa vie. C'est un démon choco, il sourit tout ça. Lui, il n'a rien à faire, nous. Hein. Il sourit. Tu vas partir, c'est quand te montrer, tu souris. Tu l'envoies sur toi, là. Quel est ton nom? Ah, dis-le. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Tu vas partir. Au nom de Jésus. Tu vas partir. Au nom de Jésus. Tu vas partir. J'invoque le feu sur toi. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. C'est le feu du Saint-Esprit sur toi. Le feu est sur toi. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, quand vous faites la délivrance, hein, que le démon résiste, en vrai, que le feu, ça brise les choses. Le feu, bien ça. Vous voyez, non? Quand vous priez, quand le démon commence à résister, on voit que le feu, il vient pour détruire, ça consomme tout. Hein? J'invoque le feu. Le feu. Mais tu veux quoi? Ensemble, ici. Où ici où? En Côte d'Ivoire, ici, en car ici. Vous faites quoi? Mais vous êtes en Côte d'Ivoire? Mon écart ici, ici. Pourquoi elle veut partir? Je sais que je veux pas. Elle veut partir où?
Quand est-ce que tu la connais? Mais c'est parce qu'il ne connaît pas qui te demande. Toi, tu la connais, non? Elle veut partir où? Elle veut partir où? Elle t'a rien dit. Elle t'a pas dit au revoir, on est parti. J'entends ça, mais je ne veux pas. Tu veux pas? Quelle part où? Elle peut partir. Ses frères peuvent partir, mais elle peut rester ici. Donc, tu veux pas qu'elle voyage? Pourquoi? Et puis, moi, elle est qui? Elle est qui pour toi? Tu la surveilles. Ça veut dire quoi? Elle m'a dit de la surveiller. Qui t'a dit de la surveiller? Justement, qui t'a dit de la surveiller? Qui? Les femmes qui sont dans sa famille. Les femmes. Ok, donc elles sont plusieurs. Oui. Donne-moi le nom d'une. Elle s'attend à où? Sa tante Matt. Il dit de la surveiller. Pourquoi c'est elle vous surveille dans la famille? Donne-moi l'explication. Pourquoi c'est elle que vous suivez dans la famille? Qu'est-ce qu'elle représente pour la famille? Elle peut faire sortir la famille de la pauvreté. Elle peut faire. Ça veut dire qu'elle a une étoile, c'est ça? Et c'est ce que vous ne voulez pas, alors? Ah, vous ne voulez pas voir les gens faire sortir les gens de pauvreté? Ils n'ont qu'à rester tels qu'ils sont. Ils ont déjà eu ça. Mais c'est que vous êtes mauvais. C'est vous qui allez quitter sa vie. C'est vous qui allez quitter sa vie. Je vous commande de quitter sa vie. C'est un ordre. Hein. Ça ne se discute même pas. Je suis serviteur de Jésus. Quitte sa vie. Nom de Jésus. Quitte sa vie. Nom de Jésus. Quitte. Nom de Jésus. Depuis sa tête jusqu'en les plans de ses pieds, j'invoque le feu dans tout son corps. Nom de Jésus. J'invoque le feu sur toute la confrérie. Nom de j'invoque Jésus. Le feu. J'invoque le feu. Nom de Jésus. Elle va toucher à mes choses. Elle a quelque chose? Elle touche à quoi? Elle va toucher à mes choses. Comme quoi? Il y a beaucoup de choses. Hein? Oui. Donc elle a l'habitude de toucher tes choses? Oui. Comme quoi? Elle touche quoi? Elle met mèche sur sa tête. Elle fait quoi? Mèche. Pourquoi elle va faire mèche? Qu'elle fait, moi je l'aime. Ah, d'accord. Donc, si elle fait, tu vas revenir. C'est ça? C'est ce que ça veut dire? Oui. Ok. Et puis quoi encore? Allons-y. Dis-les tes choses. Quoi d'autre? Mais je ne peux pas tout dévoiler. Mais non, pas. Quitte sa vie. Quitte sa vie au nom de Jésus. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Tu vas partir. Au nom de Jésus. Ne discute pas. Au nom de Jésus. Parce que le nouveau propriétaire, c'est Jésus. Amen. Tu m'attends? J'ai un nouveau maître qui est rentré dans sa vie. C'est Jésus. Amen. Il a décidé de mettre fin à sa souffrance. Au nom de Jésus. Jésus a décidé de mettre fin à cette souffrance. Amen. Jésus a décidé de me voir à la vapeur. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Il a remboursé mon crédit. Il n'a pas. Jésus a déjà payé le crédit. Jésus. Oui, mais Jésus a déjà payé ça. Il y a trop de possessions. Oui, mais il a déjà payé Jésus. J'ai perdu mon temps sur elle. Mais justement parce que tu l'as pas aidé. Elle a un nouveau maître qui va maintenant l'aider. Quitte sa vie. Nom de Jésus. Quitte sa vie. Nom de Jésus. Quitte sa vie. Nom de Jésus. Va-t'en! Nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Amen. Quitte sa vie. Nom de Jésus. Commande de quitter sa vie. Nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu lâches sa vie. Nom de Jésus. Lâche 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 son mariage. Nom de Jésus. Voilà, va-t'en. Va. Pas avec le célibat. Pas avec la pauvreté, pas avec l'échec, pas avec le non-emboutissement, l'instabilité.
tout ce que tu introduis dans sa vie, pas avec ça. Non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne seras plus maître de cette vie. Au nom de Jésus. Désormais, un nouveau maître, c'est Jésus. Amen. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Va. Va-t'en. Au nom de Jésus. Tu viens de la forêt, c'est ça? Va. Faut voler comme un oiseau, puis t'en vas. Va. Va-t'en. Nom de Jésus. 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 Va-t'en. Va. Va. Nom de Jésus. Va. Feu. Nom de Jésus. Feu. Nom de Jésus. Allez. Allez. Nom de Jésus. Allez. Nom de Jésus. Allez. Lâche-la. Allez. Feu. Feu. Nom de Jésus. Feu. 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 Nom de Jésus. Feu. Retourne dans la forêt là-bas. Je t'envoie dans la forêt. Repars. Allez. Au nom de Jésus. 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 Allez, va-t'en. Au nom de Jésus. 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 Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Amen. 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 Va. Au nom de Jésus. Va. Et libère maintenant ce corps. Libère-la. 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 Pousse ton cri et va. Pousse ton dernier cri. Et bat-t'en. Au nom de Jésus. Ton dernier cri de défaite. Au nom de Jésus. Et quitte ce corps. Au nom de Jésus. Oui. Pousse ton dernier cri de défaite. Va-t'en dans la mer. Au nom de Jésus. Je t'envoie dans la forêt. Je te ramène là-bas. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Pousse ton dernier cri, va. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Amen. Vous êtes là et les démons vous contrôlent. Vous n'arrivez pas à comprendre. Souvent même se promènent dans vos corps. Vous avez l'impression que les chants, ce sont les esprits qui marchent en vous. Et vous avez besoin de délivrance. Amen. Qui veut laisser la sorcellerie? Qui veut laisser la sorcellerie? Venez. Vous voulez laisser la sorcellerie? Pourquoi? Les sorcières. Mais tu veux laisser ça? Non, non. Tu n'es pas sorcier de venir ici. Tu t'as oublié de venir ici. Hein? C'est moi qui suis allé te tirer. Il dit, quels sont ceux qui veulent laisser la sorcellerie? Et tu as dit quoi? Tu n'es pas venu? Si tu ne te sens pas concerné, tu te prends ta place. Je n'oblige personne ici. Je ne vais pas aller tirer quelqu'un. Je ne vais pas aller vers toi. Je t'ai posé une question. Si tu n'es pas sorcier, retourne à ta place. Je ne peux pas. Si tu n'es pas sorcier, retourne à ta place. Tu es d'accord avec ça? Je ne vais pas t'obliger. Non, je t'aime bien. Je ne vais pas t'imposer quelque chose. Tu sais que tu n'es pas sorcier. Retourne. Si tu sais que tu es sorcier, je peux t'aider avec ma méthode de délivrance. Tu es libre. Tu es sorcier. Elle, sa délivrance est terrible. Hein? Hein? C'est elle qui va dans la douche, elle devient poisson. Elle va se laver. Comment ça se manifeste? Quand tu te laves, même une partie de ton corps devient poisson. Comment? Faut expliquer. Quand je me lave, c'est mon âme. Parle fort. On quand attend. Je me lave, c'est mon âme qui est poisson. Hein? Quand je me lave, n'espère pas, c'est poisson. Quand je fais quoi? Et quand je me lave, mon âme là, c'est poisson. Quand tu te laves, c'est poisson. Maintenant en haut là, c'est l'homme. Maintenant physiquement, c'est l'homme. Maintenant qu'elle finit de me laver, et quand il a c'est ma corps. Quand tu te laves quoi? Quand je finis de me laver, les écailles restent mon corps. Et tu fais quoi avec ça? Je fais rien, ça fait. Je finis, je m'habille, puis après ça s'en va sur. Tu manges la chair humaine, tu bois le sang de l'homme. Oui. Ou tu vis que de ça, c'est ça? Oui. Tu tues. Oui, tu envoûtes les gens. Oui. Tu as un pouvoir. Oui. Comment ça se manifeste le pouvoir? À travers ce signe. Où ça? À travers ce signe. Ce signe, vous avez? Ça, le noir là. C'est un signe. Oui. Ça fait quoi? C'est le signe que ma femme a mis. Ça fait quoi? Il n'y a pas dit qui a mis. Il faut bien répondre à mes questions. Signe là, c'est que. Lève ta tête. À partir de minuit. Lève ta tête. Je parle avec toi. Regarde-moi, puis on parle. Tu n'as pas dit de faute. Tu as un pouvoir. Donc regarde-moi. À partir de minuit, ma tante avait me chercher pour partir. Maintenant, elle me chercher. Lève tes yeux et regarde-moi. Tu sais pas, tu es forte que tu fais sorcellerie. Allons-y. À partir de minuit, ma tante avait me chercher pour partir. Maintenant, qu'elle s'en va là. Marc là, on a le dessin là-bas. Qui ça? Marc là, on a le dessin là-bas. Maintenant, quand c'est là-bas, elle dit les choses que mon pied mauvais fait. Elle dit, oh, tu vois, t'aimes mais ce qu'elle te dit. Non, non, ça sert à quoi? C'est ce qu'il veut expliquer. Ça, ça détruit la vie des gens. Plus moi-même. Comment tu fais pour que ça détruise la vie des gens? Tu t'en rends comment? Ça me démange. Maintenant, quand ça me démange, un coup sur moi, le signe A qu'ils ont mis, ça fait genre serpent rond comme ça, puis la langue. Cela, elle se place fond de moi. Ça rentre, puis ça reçoit. Maintenant, après, il y a une autre, même qui vient, même. Maintenant, quand ça vient, cela arrive dans le village. Arrête! Comment? Nom de Jésus. Comment? Nom de Jésus. Allez! Comment? Comment? La puissance de Jésus est la force qui est au-dessus de la sorcellerie. Oui.
Pour ça, quand tu es chrétien, il faut croire à la puissance de Jésus-Christ. Amen. Lui seul peut nous protéger contre les œuvres de la sorcellerie. C'est pour ça qu'on a besoin de se convertir véritablement et d'avoir Jésus-Christ. Sinon, il y a des sorciers partout. Et aujourd'hui, ils n'ont plus besoin des questions de famille, de liens, de parenté. Non. Le contact seulement avec toi, ils te détruisent. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez? Nage comme le poisson. Je vous ai déjà dit non. Non. Son sang nous couche, non. Son sang. Non. Ça veut dire son. Elle son sang. Son sang. Ça veut dire. Attendez, attendez. C'est un élève, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas gagné sang. On acclame! C'est bien! Pas trop baoulé, non, on l'a envoyé ici la boulée, délivré de baoulé. Il a reconnu, c'est ici, c'est bizarre, il n'est pas baoulé. Mais qui m'explique? C'est ça, c'est on appelle chier. Non, 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 non. C'est le délivreur. Elle dit, s'il ne gagne pas, tu connais très bien. Sors! Non! Sors! Non! Tu vas partir. Non. Au nom de Jésus. Non. Au nom de Jésus. Vous êtes combien dans ce corps? Vous êtes combien? Non, quatre. Non. Lâchez-la. Lâchez-la. Non. Lâchez-la. Non. Lâchez-la. Non. Lâchez-la. Non. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Non. Le feu est sur toi. Le feu. Non. Le feu. Le feu. Non. Le feu. Non. Le feu. Non. Feu. Non. Feu. Feu. Non. Feu. Non. Feu. Feu. Non. Feu. 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 Non. Non. Feu. Non. Feu. Feu. Non. Feu. 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 Jamais. Tu as lâché son âme. Tu lâches rien. C'est un ordre. Non. Va-t'en. Non. Va-t'en. Non. Va-t'en. Non. Va-t'en. Non. Je brise. Non, ça m'a été brise même. Je brise le pacte. Je brise le pacte. Je brise le pacte. Non. Je brise. Je condamne tes œuvres. Je condamne tes œuvres. Non. Je détruis tes œuvres. Non. Je détruis tes œuvres. Non. Je détruis tes œuvres. Non. La puissance de Jésus. 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 Non, 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 ça m'a l'enfant. Non, ça m'a l'enfant. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Arrête! Arrête! Pas! Arrête! Manifeste maintenant la puissance de Jésus.
merci, notre non, Dieu. Non, pèse sur toi. 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 Je ne vais pas la laisser. Je ne vais pas la laisser. Je ne vais pas la laisser. Je veux sa délivrance. Je veux sa délivrance. Comment je vais pouvoir la manger? Comment je vais pouvoir la manger? Sorcellerie est ton nom. Lâche, la sorcellerie est ton nom. La sorcellerie est ton nom. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Parce que l'air est sérieux. Comment elle va pouvoir la manger? Comment elle va pouvoir la manger? Ta vie dans le sang de Jésus. Plonge ta vie dans le sang de Jésus. Plonge dans le sang de Jésus. Frappe-la, Jésus. Frappe-la. Sang de Jésus. Ce matin, nous réclamons toute ta puissance, nous réclamons tout ton aide, Jésus. Nous réclamons la puissance de Dieu. Seigneur, merci de nous donner la victoire sur nos ennemis. Je maudis la présence des ténèbres dans vos vies et dans vos corps. Je maudis la présence des ténèbres au nom de Jésus-Christ. La victoire de Jésus sur vos vies maintenant. Je reste en possession de votre héritage. Je détruis celui qui est assis sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous établis dans la bénédiction. Je vous détronise ce matin. Je vous ouvre les portes de la bénédiction. 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 Proclame la puissance de Dieu. La bénédiction 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 de Dieu. Seigneur, merci pour la journée que tu bénis. Au nom de Jésus. Que j'ai prié, on dit amen. Amen. Tout à l'heure. Nous allons organiser tout à l'heure la réception. Je vais sélectionner les gens que je dois recevoir tout à l'heure. Il y aura un entretien prophétique avec certaines personnes. Je vous annonce que ce soir, nous avons une veillée à Zaroko. Et le départ va se faire ici. C'est comme ça. Ceux qui veulent partir, ils vont annoncer tout à l'heure. C'est combien? Allez, 1000 francs. Allez, retour 1000 francs. Il dit 2000 francs. Allez, retour 1000 francs. 2000 francs, c'est ça. Voilà, donc vous voyez tout cela. Nous irons tous ici, à partir d'ici à Zaroko. Dès qu'on finit la veillée, c'est comme ça. C'est à Zaroko qu'on fait notre délivrance. La grande délivrance, c'est à Zaroko. Ici, c'est l'administration. Voilà, donc ce soir, à partir de 22h, il y aura une veillée là-bas. Donc je crois que les gens quitteront, c'est à partir de 18h. Vous allez quitter ça à 18h. Vous allez rejoindre toute l'équipe là-bas à Zaroko. Amen. Mais tout à l'heure, je vais m'organiser pour recevoir les gens. Ce qu'on appelle la rencontre prophétique. Une orientation. Que Dieu bénisse. Amen.